Voilà, c'est fini. C'est fini, on aura eu un ex. Toujours pas? Non, toujours pas. Hein. Attendez, si je quitte le jeu. Si je quitte le jeu. Oh là là. Attendez, attendez, attendez. C'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini. Oh là là, trois codes. Trois codes qui viennent d'arriver. Trois codes qui viennent d'arriver. Et des gens qui me... Non, oui, mais non. Attends, il y a des nouveaux codes qui viennent d'arriver. Regardez ce que m'apporte Maudit. Un magnifique vert Planet Hollywood dans lequel il y a de l'eau, des glaçons et de la grenadine qui ne se mélange pas. Alors, pour mélanger, la technique est la suivante. Attention. On souffle dans la paille. Et ça mélange, c'est magnifique. Bon, c'est pas super bien mélangé là, mais on mélangera après. Merci beaucoup. Mais surtout la chose magnifique qui m'est apportée. Hein, il est, oui, mais il est splendide. Regardez-moi ce cookie fait maison. Ah, avec le fond vert, on dirait qu'il est transparent et à moitié pourri. Mais il est très très bon. Il est extrêmement bon. Ah, c'est dommage. C'est dommage, vous ne voyez pas bien ce cookie qui est splendide et qui est délicieux. Maudit a fait des cookies hier, c'est divin, il en reste 2, je crois, enfin il en reste 4 de chacun, donc il y en aura un maintenant et un pour le dessert après le live. Exactement, Lord Charel, merci à vous. Salut Crane, salut le chat, nouveau setup, sympa, content que ça te plaît, Tenric, salut à toi. Crane, je crois qu'elle veut quelque chose dans les chances. Non, le nymphe ou le canapé. Et bah, allô, voilà, on n'a pas le canapé, c'est embêtant. Crane, je crois que j'ai réussi à envoyer un message. Ah là là, oui, j'ai 2 messages, hop. Attention, bah, on va mettre le code de Nonoland, c'est parti, hop, et ça marche. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu? Un XY étincelle, terminé, mais il y en a encore, quand il n'y en a plus, il y en a encore, c'est parti, cette fois c'est Wicked29 qui nous envoie les codes. Non, ça marche pas, ok, d'accord, ça ne marche pas, ça aurait dû marcher, ça n'a pas fonctionné. On réessaye, hop, soumettre un code, ça fonctionne, on en met directement un deuxième, on est des fous, on met le deuxième, attention, ça fonctionne, on met le troisième, attention, dernier code, on y croit, hop, ah non, c'est pas ça, hop, et ça fonctionne aussi, obtenir, voilà, dragon exalté, c'est bon, voilà, hop, 4 boosters à ouvrir, on est bon. Crane fait un lancer de D6, de 1-3, tu gardes le Nymphali, de 4-6, c'est Maudit qui prend Nymphali. Non, ça n'arrivera pas, hein. Futur youtubeur à tuto de cuisine. Et oui. Non, mais en plus, c'est vrai, hein. On va vous faire des... C'est quoi, ça? Ah, mais il y a des codes, là. Oh là là. Hop. Est-ce que ça marche? Oh, ça a marché, je crois. Je crois que ça a marché. Merci Boubacar, c'est très gentil. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Un grand merci à toi. Voulez-vous fermer cette conversation? Oh, attends, déjà je vais dire merci. Attends, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Hop. Voilà. C'est parfait. PL de viewer, c'est magnifique. Obtenir maintenant. Hop, terminé. Dis donc, Rain, c'est la fête de code ce soir. Mais oui, j'avoue. Alors, collection, booster, c'est parti. Attendez, je ferai bien une déco, on va faire un quitté, déconnexion, on va revenir et on va voir si... Coucou Crane, t'as enfin eu les ex que tu veux. J'en ai eu une en 20, entre environ 25 boosters. Je trouve que c'est l'arnaque, mais j'ai déjà beaucoup de chance que vous m'envoyez des boosters. Donc voilà, comment il profite de ses fans, mais complètement, c'est horrible. J'ai honte, si vous savez ce que j'ai honte. Par contre, s'il vous plaît, n'en achetez pas exprès pour m'en donner. Hein. C'est seulement si vous achetez des cartes et que vous avez des codes que vous n'utilisez pas. Parce que moi-même, je ne suis pas un gros joueur de Pokémon ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des codes que vous n'utilisez pas, c'est très très gentil. Mais... De quoi, juste une petite déception parce que je suis jaloux de tous les codes que tu as, Kappa. Je suis désolé d'Artemp, mais voilà, n'achetez pas pour m'envoyer des codes, hein. Surtout. Ok, on ouvre, c'est parti. J'ai hâte que tu testes le deck que je t'ai envoyé, j'espère qu'il est pas pourri. Félicitations pour ta carte ex, merci. Allez, ouf. Moi, je suis un gros joueur de Pokémon, donnez-les-moi. Marche pas comme ça. Ah, il y a deux rares.
Il y a de rares. Alors, un Tarsal, un Balbuto. Regardez trois cartes dessus du deck de l'un des joueurs et replacez-les sur le dessus du deck de ce joueur dans l'ordre de votre choix. Très bien. Un Top Dresser. Bon, ça, c'est toujours bien. Lien spirituel. Et c'est parti. Attention, attention, attention. Un Régistile. Je ne connais pas. Lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile. Cette attaque inflige 30 dégâts multiplié par le nombre de côtés face. D'accord. Si le Pokémon actif de votre aide, c'est un Pokémon X, défaussez une énergie lui étant attachée. D'accord. Pourquoi pas. Et là, attention, attention, attention. Un Porygon Z. Évolution de Porygon 2. Ok. Alors, cyberbroyage. Défaussez toutes les énergies spéciales attachées à chacun des Pokémon de votre adversaire. Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques du Pokémon défenseur coûtent un truc de plus. D'accord, d'accord. Pourquoi pas. Crane, ne te plains pas, j'ai eu une centaine de boosters et pourtant j'ai jamais eu de Hex ou autre carte rare. J'en suis désolé, j'en suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est parti, ouvrir. C'est parti, c'est parti. Hop. Ah, une seule carte rare. Un Roselia, on a eu son évolution tout à l'heure. Un Skelenox, nous fouette Lixi, passe rouge. Galop, un Luxio, ok, un Escroco, un Flabébé, et attention, attention, un Floette, évolution de Flabébé, ajoute 20 points de vie à chacun de vos Pokémon, ça c'est Feuille en jeu, Vent Féerique, ouais, je sais pas si son talent est un truc à combo, mais d'accord. Dans pas mal de decks, Porygon c'est ultra violent, d'accord. Porygon Z évolue de Porygon 2, lui-même évolue de Porygon. D'accord, bonsoir Crane, j'allais dire Grunlake. Pardon, je viens de regarder plusieurs épisodes de la suite d'Aventure, nous Italien. Coucou à toi. Si ça te gêne, les autres boosters moisis, oublie tout de suite Magic Crane. Mais j'ai beaucoup joué à Magic, hein, beaucoup, beaucoup. Moi, sur 3 boosters, j'ai eu un Hex et une Turbo. Voilà, hein. Terminé, il nous reste 2 boosters à ouvrir. Allez, c'est parti. Série. No... Ah, mais non, il y en a 2 des comme ça. Il y en a 2 ou c'est. Ah, c'est peut-être bugué, je sais pas. C'est peut-être comme tout à l'heure. On va voir. Attention. Oui, au fait, ça intéresse quelqu'un, booster et un deck chef du combat tout neuf, je vends pas cher, il manque juste les cartes code. Mm-hmm. Ah mais non, mais t'as acheté... Non mais Rombo, c'est pas bien. C'est pas bien si t'as acheté des cartes juste pour m'envoyer des codes, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas fier de toi. Je ne suis pas fier de toi, mais c'est très gentil. Sbire de la Team Plasma, je ne connais pas. Défaussez une carte de la Team Plasma de votre main. Si vous ne pouvez pas défausser une carte de la Team Plasma, vous ne pouvez pas jouer cette carte, piocher 4 cartes. D'accord, ça doit être un autre système que je ne connais pas. Huile, attention, 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 attention. Un Miasmax. Team... Ah bah justement, c'est Team Plasma. Infligez 20 dégâts multipliés par le nombre de... dans le coup de retraite du Pokémon défenseur. Ok. Lancez 2 pièces, cette attaque inflige 80 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. Ok. Et là, et là, et là, et là, un Galam. Bon, Galam, votre adversaire échange le Pokémon défenseur avec un Pokémon de banc et 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachée à tous vos Pokémon. Donc il est puissant quand même. C'est quand même puissant. Le Floette de AZ et Crane est très rare. Crane, j'ai genre 20 épisodes de retard sur Aventure à cause du bac. Bah, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Allez, un autre booster. C'est parti. Tout plein de... Oh, un Carapuce, j'en avais pas. J'avais pas de Carapuce, mon premier Carapuce. Un Riolu. Alors, arène d'onde sur mer. Placez le marqueur de dégâts supplémentaires sur les Pokémon empoisonnés. Les vôtres et ceux que vous avez entre chaque tour. Un clic, lancez deux pièces, d'accord. Attention, 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 attention. Un, bah justement, l'évolution de clic. Un clic, clic, un clic, clic. Évitez tous les dégâts infligés par, à vos Pokémon par des attaques de Pokémon X de votre adversaire. Ah, j'imagine que ça aussi, c'est un truc mignon. Lancez une pièce si c'est face. Ces attaques infligent 20 dégâts à un des Pokémon devant votre adversaire. Ok, ok. Galam est le PT Crane. Et oui. Bonjour Crane, salut Akerariku, me voilà de retour. Quelle idée d'interdire tes streams, les streams de Crane au boulot. Mais comment ça? Comment ça, il y a des gens qui ont interdit mes streams à ton travail? Comment ça? Bon, c'est mignon ça, hein, enfin je sais pas. C'est un peu, après c'est une évolution niveau 2. Je suis deg, je rate toujours le début. Ah là là, ah là là, et là, ah ah ah, Napiren. Cherchez dans votre deck autant d'apitrini que vous voulez et placez-les sur votre banc, mélangez ensuite votre deck. Infligez 20 dégâts multipliés par le nombre de marqueurs de dégâts placés sur Pokémon défenseur. Yop ton cas. Et le dernier booster. Le dernier booster. Il est bien ce jeu d'ouverture de booster. Attention. Attention. T'as eu une ex. Oui. Oui, sur à peu près 30 boosters, j'ai eu une ex. Ah, il n'y a qu'une seule rare. Il n'y a qu'une seule rare. Alors, Chemipod, de n'avant pas recool.
Goopix, Magikarp, lance une pierre. Ok, d'accord. Emolga, Arachouti. Ok. Galgon. Ravage, lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile. Pour chaque côté face, défaussez la carte du dessus du deck de votre adversaire. Très bien. Blindalice, soignez 20 dégâts Pokémon. Il changera Pokémon de l'ordre avec le Pokémon défenseur. Très bien. Et là, attention. Nous finissons sur un Mamambo. Et ça, vous allez me dire que c'est une carte rare. Lancez une pièce, c'est face. Défaussez une énergie attachée au Pokémon défenseur. Lancez le pièce, cette attaque inflige 50 dégâts multiplié par un nombre de côtés face. Et ça, donc, vous allez me dire que c'est une carte rare. Ça, donc, ça veut dire qu'on finit sur un Mamambo. Considéré comme étant la carte rare du booster. Est-ce qu'il n'y aurait pas du foutage de gueule? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu du foutage de gueule? Crée une question à la con dans le dernier épisode d'aventure quand Fred s'est barré après son échec critique sur le cadavre. Il a vraiment rage quit ou il est revenu après? Bon, il est revenu, bien évidemment. Mais il était salé. Crène, les Pokémon durent plus longtemps avec Galgon. Oui, j'y ai pensé aussi, Camille. Ça fait du bien. Ça fait du bien, cette petite grenadine. Merci, Maudit. Et du coup, on va manger une petite bougie de ce délicieux... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi, j'ai pas commencé. T'as vu, il me reste tout ça à manger, moi. Qui va foutre de la grenadine partout sur son clavier. Non mais en vrai, c'est vraiment une carte rare, ça? C'est pas une carte rare. C'est pas possible. C'est quoi ce délire? Non mais même le dessin là, il est moche. Y a rien. Elle est où l'arnaque? T'as eu le Groudon en récompense, Crane? Oui, j'en ai eu un. C'est bien, Crane, sois gentil avec Maudit. Crane, toi aussi, comme Théo, t'as tué une innocente. Non, on l'a réveillée. Mais bon, après, moi, j'ai tué personne. Hein. C'est Maillard qui a décidé. Oh, vous avez tué quelqu'un. Parce que voilà, parce que moi, j'ai pas envie de tuer des innocentes. Mais voilà, il a décidé qu'en enfonçant la porte, on avait tué quelqu'un. Donc ça m'a pas plu. Mais bon, c'est comme ça. Précise à Maudit qu'il te reste aussi un infalli. Crane, s'il y a une étoile en bas à droite, c'est rare. Y a pas d'étoile? Ah, si, il y a une petite étoile à côté du 124. Tu vas bien, Crane? Oui, je vais très très bien, Gonel. Crane, tu as des symboles en bas à droite des cartes. D'accord, j'avais jamais fait gaffe. Mais je te l'ai dit, menteur. Bah, je t'écoutais pas. Oh. Là, oui, des petits symboles en bas à droite que j'avais pas vu. La rareté ne fait pas la qualité. Bah, c'est la preuve. Ce Mamambo en est la preuve. Bon, allez, on va jouer, c'est parti. Crane, spoiler. Mais non, mais c'est l'épisode déjà sorti, Rumbots. C'est l'épisode sorti hier. T'es pas à jour? Mais c'est vrai que c'était un peu spoiler. J'ai pas vu l'épisode. D'accord. Et bah, me connaissant, tu sauras quel. Enfin, tu me connais et tu sais que c'est le genre de truc qui me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Et oui. Il y a une petite subtilité quand même. On veut le décoffer. Oui, je vais faire ça. Alors attendez, on va le faire en défi du dresseur pour le moment, on va le tester, hop, en difficile, suivant, donc c'est celui-là, chef de combat, suivant, on va continuer contre Logan, jouer maintenant, et on va voir ce que ça va donner. Vu qu'on regarde plus d'épisodes en stream, quand tu veux qu'on ait le temps de les regarder, c'est ça, Crâne du Sud, exactement. Alors le nouveau deck, qu'est-ce qu'il va donner? Bah, je fais honneur à ta cuisine. Alors, on a un Zygarde. Et nous avons Loclan qui se rabonne pour la quatrième fois. 4 mois de soutien, merci Loclan, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Crane, il va botter le Wolverine aux cartes, exactement. Alors je répète pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez maintenant mettre un message quand vous réabonnez. En plus de l'alerte, vous pouvez mettre un petit message. Crane qui affame ses fans, exactement. Crane, le deck chef de combat, il casse des bouches. Ah! Ok. Alors, cette attaque inflige 10 dégâts à chacun de vos Pokémon de banc. N'appliquez ni la faiblesse.
Ok, on a ça. On a un brutalibré. Piocher une carte, lancer une pièce, si c'est face, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Alors, Lina Jack est une évolution de Vipler. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main, faire évoluer l'un de vos Pokémon, vous pouvez lancer une pièce, c'est face, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Oh, c'est mignon. Et un Karatroc. Piochez deux cartes, ensuite mettez une carte de votre main en dessous de votre deck. Ok. Lancer une pièce, c'est face, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Ok, ok. Ok, ok. Alors, et si on fait juste ça? Si on met que lui et qu'on fait rien d'autre? Si on fait ça. Ah oui, mais j'ai. Mince, j'ai qu'une seule. Bon, bah, on va espérer. Non, si on fait juste ça. Les boosters, tu les as eu avec des codes, Crane? Oui, Art Symbiote. Ah, mais c'est parce que c'est lui qui commence, d'accord. Alors, cherchez deux Pokémon de base pour ajouter les à votre main. On va pouvoir prendre celui qui va là. Et nous avons Dirty Kenji. Dirty Kenji qui sera bonne pour la 6ème fois, 6 mois de soutien. Merci à toi, les bisous et bim. Et bim, le resub de Dirty Kenji. Merci beaucoup. Merci. Alors, on peut prendre ça pour qu'il évolue. Et on peut potentiellement prendre un deuxième Zygarde. On a un Riolu sinon. Je sais pas ce que ça donne. Attends, on va y aller. Ah, c'est pas. Attendez, s'il fait la même chose. J'avais l'impression que c'était pas le même dessin, mais si, si. Ok, alors, pour l'instant, est-ce que j'ai intérêt... Est-ce que j'ai intérêt à... Ouais, je sais pas. Terminer ce tour. Donc, il va me charger. Lancer une pièce efface, chercher une carte supporteur de votre deck. Ouh, ça va. Ça, c'est chiant, ça. Là, il prend une carte supporteur. Ok, très bien. Ça c'est quoi? Ah, c'est l'évolution niveau 2. Donc c'est l'évolution de Linaja. Pendant votre prochain tour, les attaques de ce Pokémon infligent 60 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. Application. Ce Pokémon ne peut pas utiliser coup déchirant pendant votre prochain tour. C'est mignon. C'est mignon. C'est pas mal. Dis-moi, Crane, tu as sûrement dû le dire, mais bon, je les appelle message. Bref, voilà. Ma question, as-tu des Warhammer? Oui, si oui, je suppose que tu joues Ordre Nain. Oui, et donc que penses-tu de AOS et de 40K? 40K, moi j'aime beaucoup, mais je jouais Chaos, Korn et Nurgle majoritairement. Et Edge of Sigmar, maintenant c'est de l'escarmouche, mais j'ai pas testé les règles. C'est dommage de voir Warhammer disparaître, mais bon, voilà. Ça fait longtemps que je m'y intéresse plus trop. On peut faire ça. Bagarre. Je pourrais le poser pour le faire évoluer, hein. Ouais, on va faire ça. Mais il va prendre 10. 30. J'ai quoi comme faiblesse? Ah mince, faiblesse sévère. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire totalement défoncer. Je vais me faire défoncer. Mais ah oui, je vais prendre 80 en fait. J'avais pas vu, j'avais pas pensé à ce petit détail. Ah, mais je peux le tuer par contre. Par contre, si je le tue derrière, est-ce qu'il a quelque chose qui me fait des attaques? Il a poudre dodo, s'il met sa Roselia, il me fait 20. Ouais, mais non, ça passe quand même. On va le faire évoluer en pla pla pla. Hop, hop. Bah oui. Bah bon, ça n'a pas marché, mais de toute façon, il allait mourir. Ça change rien. On a pris 10, c'est pas grave. Majestic, c'est la violence. Mm-hmm. Et surtout que c'est un avec un seul, quoi. Ah. Du coup, il peut pas me taper. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça, c'est chiant. Est-ce qu'on peut le dire, c'est chiant? Tac, tac, on va piocher. Ok. Ah, c'est nouveau, ça aussi. Attends, on va faire ça. Ça, c'est l'évolution de... d'Ambrilex, et ça, ça donne quoi? Sur les 20 dégâts de chacun de vos Pokémon, tout ça, d'accord. On va faire ça. Ça. Ok, on va battre en retraite, je pense. Ou alors, on fait... Non, on va faire une attaque. Ah, attends, si je fais une attaque, il a 30, et je peux faire un 80 derrière. Ouais, c'est mieux, je pense. C'est mieux, c'est mieux. Il pourra pas me taper de toute façon. Ou alors je le tue. Ah bah non, je viens de poser une énergie. De toute façon, je peux pas. Et il pourra pas battre en retraite. Salut, c'est Cryonis. Hop, on va faire ça.
Ah, comme ça, je le tuerai directement avec l'autre. Ou alors, je repose une énergie et je continue avec lui. Hein. Ça peut être le cas aussi. Bon, par contre, je vais mettre des dégâts sur eux, quoi. Ce qui est pas très très grave. Un coup de one shot. C'est chiant. Voilà. Et maintenant, j'ai l'air con. Maintenant, j'ai l'air con. Maintenant, je fais quoi, moi? Hein? Bah, je sais pas. Je fais rien du tout. Je fais rien du tout. Je pourrais mettre une énergie. Est-ce que ça vaut le coup? Hein, c'est face à ça inflige 30 dégâts supplémentaires. Soignez 20 dégâts chacun de vos Pokémon. Ouais, j'aurais peut-être dû lui mettre de l'énergie, je sais pas. Là, j'ai envie qu'il me le tue. Vas-y, ouais, il va le tuer, c'est bon. T'es sérieux? Voilà. Il va faire ça en boucle. C'est l'ordinateur qui bug. Voilà. Voilà, voilà. On est bien. Alors, on a ça qui peut évoluer. Ça, c'est pour remélanger la main. On va tant pis, on va tenter. Hein. On va tenter en espoir. Du coup, on va le poser lui aussi. Ok. Ok, ok. Terminer le tour. Et s'il m'enlève mon énergie, on est foutu. Faut qu'il fasse pile. Faut qu'il fasse pile. S'il fait face, on est mal. Ah, nouveau dieu. Il a 30 cartes, j'en ai 33. Hop. Faut juste qu'il fasse pile. Bah, terminer le tour. Putain, t'es sérieux, quoi. Il a fait pile, c'était bon, mais il a fallu qu'il utilise le maillet. Salut Castey. Est-ce que vous sentez que c'est un petit peu relou là? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez le côté relou? Ah, c'est bon, on est débloqué. On est débloqué, c'est génial. Donc il faut absolument que je mette. Ah, bah non, c'est pas important. Je mets ce que je veux, donc on peut mettre ça. On va faire retraite. Hop, retraite, battre en retraite, on met lui. Et là, on fait une attaque à 80, et c'est bon. C'est bon. Et on mange un bout de cookie. Il a un bonus après? Qu'est-ce que ça fait ça? On s'en fout un peu, mais on va dire on s'en fout. Là, on peut mettre une autre énergie. On va mettre sur lui. Et là, donc, pas le choix, on est obligé de faire ça. Ouais, ça fait pas de dégâts. Ah, il a fait un truc qui fait que ça faisait pas de dégâts. 90. Oh. Que je fasse quoi. Ouais, il fait que des faces. Il triche l'ordinateur. Hein, je tiens à le dire. Moi, je remarque que dans toutes les parties, il a un taux de réussite qui est proche de ses lancers de pièces de 75%. Donc peut-être. Hein, au bout d'un moment, je pense qu'il faut reconnaître la triche. Et je pense qu'il faut appeler un. Comment ça s'appelle? Un juge Pokémon. Je suis désolé, Byako. Je vais reprendre 42 dégâts, je peux pas taper. On va refaire la première attaque. Je sais pas quoi faire.
pourrais l'échanger avec lui, mais non, ça changera rien. Attends, c'est combien? C'est 2 pour reculer. Je pourrais soigner tous mes Pokémon le temps qu'ils meurent. Je pourrais faire ça. Du coup, j'aurais dû mettre sur lui. Il y a une carte juste, tente le coup. C'est normal qu'on voit la barre du haut de ton jeu. Ah non, c'est pas normal. Pardon. Voilà. Comme je vous disais, mon PC a des soucis. Et je suis obligé d'avoir des techniques de capture à la con. Vers ça. Le temps qu'il meurt. Voilà, il va encore prendre 0 dégâts. Il a fait face 3 fois. Vous allez pas me dire que c'est pas du foutage de gueule. Hein. Non. Il triche. C'est de la triche. Il y a que moi. Tu veux des cookies vegan? Bah j'en ai là. J'en ai un justement. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu, il a fait un pile! Il a fait pile! J'aurais bien tenté. Ouais, mais je suis déjà très bas. Donc on va faire ça. Bah du coup s'il a fait pile, je vais. Il a combien de points de vie? Il en a 80. Et là, je vais me prendre 70 dans la mouille. Et donc, il va mourir. Donc, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas des masses. Là, il faudrait une autre couleur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou alors, je le fais s'enfuir pour... Non, je vois pas ce que je peux faire. Je meurs de toute façon au prochain coup. Si je meurs au prochain coup, je peux potentiellement lui mettre une énergie ici, mais 80, il lui reste 40 points de vie. 80, ça suffira pas à le tuer. Si on va attaquer, tant pis, il va mourir. On va attaquer avec 40 et il pourra le tuer derrière. C'est pas tip top. C'est pas tip top, en plus il y a lui qui arrive derrière encore. On va tenter ça, tant pis. Ok. Quelqu'un a-t-il une explication sur ce qui vient de se passer? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors, 40, 60 dégâts, on s'en fout. Il va mourir. Ok. Va au coin, mais regarde. Je comprends pas. Je suis con, j'aurais dû faire l'autre attaque parce que là, je peux pas l'utiliser. C'est débile. C'est débile, c'est débile. Ah bah tiens, hop, voilà. J'ai un Zygarde de disponible. L'IA a pitié, moi je pense, Tamanos. Je pense qu'elle a pitié. Bon, est-ce que c'est un deck à versus ça?
pourquoi pas si tu veux, hein, si ça te, ça te fait plaisir. Ah oui, mais j'ai pas d'énergie, c'est con. Ah, on va heal les gens. Parfait. Fais-moi mal, Johnny. Ah, mais je suis confus. Je suis confus. Tiens, vas-y, on va dire qu'on s'en fout de toutes ces cartes. Redonne-moi. Mais oui, je vais le faire. Je suis un ouf. Je suis un malade. Je suis un déglingo. Et du coup, on peut healer. On peut... Attends, ça fait quoi, ça? Stracy. Les énergies de base associées à vos Pokémon de base ne peuvent pas être défaussées par les effets des attaques, des talents ou des cartes dressage de votre adversaire. C'est mignon. Très, très mignon. Ça m'aurait été utile sur Zygarde. Ça m'aurait été très, très utile. Tiens, on va le mettre. On va le mettre. C'est trop bien. Hop, voilà. Battre en retraite. On met lui. Ok. On le soigne. Voilà. On lui fait un petit enroulement. C'est parfait. Le talent marche même sur le banc. Oui. Alors, c'est à moi. Qu'est-ce que j'en fais de cette énergie? J'en fais rien. J'en fais rien. Voilà. Coup déchirant. Alors attends, non, j'ai déjà un bonus. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. C'était la victoire. C'était fabuleux. Non, il a l'air bien le deck. Hein. Et donc, je sais pas si quelqu'un m'a répondu. Est-ce que. Non, personne m'a répondu. Est-ce que c'est un bon deck de versus ou pas? On va le tester. On va le tester. Versus. On est là. On en est là. On en est à 210. Je pense qu'il y a un petit souci. Ok, je pense que le jeu il est cassé. Le jeu il est cassé parce qu'il me dit que j'ai absolument aucun deck pour faire du versus. Pourquoi? Je ne sais pas. Demande, hop, hop. Accepter. Et ben on va se déconnecter. Quitter. Déconnexion. Cringe arrive à perdre contre sans avoir honte, donc il doit pas être trop mal ce deck. Mm-hmm. Non, j'ai pas testé Groudon avec Zikren. Ah, j'ai pas encore fait de deck moi-même. Alors, est-ce que là, on peut y aller? Vous ne possédez aucun deck de ce type. Quoi? J'en ai plein des decks thèmes. Quelqu'un a une idée de ce qui se passe là? Salut aussi Kion Torniki. Mm-hmm. Bon bah tant pis. Hein. Bonus Orvanda. Je vais essayer de quitter complètement le jeu. Voilà la violence. Hop, on quitte. Ok. On remet. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Allons-y. On va voir, on va voir. On va voir si ça va mieux marcher comme ça. Ce sera la surprise. Vu que ton gestionnaire de deck n'a pas mangé tes sceptres. De quoi? Quand ça veut. Il n'y a pas de son? C'est petit. Je vais le mélangeur de volume. Si, c'est bon. Ok. 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 C'est peut-être ça le bug. Hein. Ah bah voilà! Bah là c'est bon. Chef de combat. Jouer. Oh là là, cette qualité d'un crâne sur Pokémon The Card Game. Allez, c'est lui qui décide. Vous avez perdu le lancer de pièces.
Il choisit qui commence, et c'est lui qui commence. Apparemment, j'ai bien compris. Alors, on a une évolution de Lucario. On a un brutal hybride qui nous permet de piocher, ce qui est plutôt pas mal. Et on a... On va faire ça pour piocher. Et je peux le paralyser en plus. C'est mignon quand même. Faire ça. Et... Terminé. Et on a zéro énergie. Ça va être génial. Si je pioche pas une énergie, hein, je vous le dis tout de suite, je pense que... On est foutu. Et lui, bien sûr, il voilà. Il fait ses rollers, il fait face. Voilà, et en plus, il a un bandeau. Bon, bah, vas-y. Vas-y. Voilà. Commence bien, dis donc. On sait jamais. Des fois que les deux prochaines cartes soient son évolution à lui plus un terrain vert, on est bon. On est bon. L'espoir est toujours là. Il a un Articoda. Ah. On va se prendre un petit 50 dans la mouille. À vous de jouer. Ah! Sauf que donc du coup ça sert à rien sur lui. Alors qu'est-ce que j'en fais? Oui, je vais tenter de piocher parce que je suis... si vous lancez une pièce, c'est face. Oui. Ah mais bien sûr, moi c'est pile. Bien évidemment. Bien évidemment, continuons le sel s'il vous plaît. Plus de sel. Plus de sel. Défoussez la carte du sud du deck de votre adversaire, on s'en fout totalement. Alors est-ce que j'ai envie de tempo ou pas? Il va me la tuer. On va faire ça. Je peux le heal, mais ça n'a pas d'intérêt. Et Bubu, the only one qui rejoint la Glou Family, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux plein de. Ça, on l'a déjà eu. Plein de colonnes. Parce que. L'autre colonne, non, ça ne marche pas. Tu vois, oui, mais il y a un vrai joueur. Il y a un vrai joueur. Attends, ça fait 50. 50 moins 30, ça fait 20. Il me refait 50, donc non, ça marche pas. Il faut que je fasse un salto arrière. Ok. Plein de colonnes. Parce que. Ah, mais bien sûr, il a déjà son. Bah voilà. Voilà. Et il fait 70 pour 1, tout ça. Ouais, allez, vas-y. Abandon, oui, on n'a pas d'énergie, on a pioché une énergie en 3 tours. C'est très bien. Parce que qui soutient la communauté, exactement, ça c'est parfait. C'est parfait. Parce que haute colonne, crane, ok, je me barre. J'ai fait la même, Camille, tu m'as pas entendu? Non, blague. Tu n'es pas la seule personne à faire des blagues mauvaises, hein? Et il y en a d'autres. Plagiat, exactement, Pandragom, exactement. Bon, on l'a refait, mais avec de l'énergie, s'il vous plaît. C'était pas un bon exemple. Et oui, voilà. Parce que, voilà, Bubu's the only one. Et les fondations, c'est important. Mais il faut aussi monter vers les cieux. Et nous avons Bubu qui nous soutient. Qui soutient le toit qui permet aux dindons de s'abriter grâce à ses colonnes. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et bim le sub. Merci à toi. Plein de colonnes parce qu'il a son temple. J'ai dû partir à cause de l'interaction violente entre mon clavier et le contenu d'une tasse de thé. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, je pourrais potentiellement mettre ça directement. Sony 90, voilà. Lancer une pièce, c'est face, c'est à faire qu'un riche 30 dégâts supplémentaires. Ça me fait pas rêver. Et là, ça me fait pas rêver non plus. Et ça se fait quoi? Chercher dans votre carte.
pourrais directement le faire évoluer. Mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Ah, il a aucun Pokémon de base. Il a une misère. Ok. De toute façon... Qu'est-ce qu'on fait? 90 points de vie, 50 points de vie. Bon, allez, on va tenter ça. Hop. Timmy! Exactement. J'ai hésité. Alors, qu'est-ce qu'il a comme carte? Des cartes magnifiques. Des cartes... les plus belles cartes du monde. Est-ce que je veux piocher une carte? Mais oui, je veux piocher une carte. Donne-moi une carte. Non, je pense que je peux pas le faire évoluer. Hein. Ah, il y a une évolution d'Ambrilex? Ah, par contre, s'il y a... Ah, il y a peut-être une évolution d'Ambrilex, c'est con. Ça, je savais pas ça. Ça, je ne savais pas. Veuillez patienter pendant que votre adversaire se touche. Ça, il a trouvé. Ensuite, il choisit le Pokémon de départ. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Moi, c'était Insta, le compte d'Eden Nexus. Mais oui, je veux piocher une carte. Ou un petit Zygarde. C'est pas ça que je pouvais mettre en premier, c'était mieux. Alors... Je pense qu'on va bourriner le Zygarde de base. Parce que 120 dégâts, moi, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Faiblesse, en plus, on est bon. Un Strazy. Ah, en plus, ça, c'est cool. Voilà. Bah, je sais pas. Je sais pas. Ok. Espérons qu'on chope une troisième énergie. Une Super Bowl. Alors, qu'est-ce qu'il va nous chercher? Ah, c'est le deck relou. Un Rhinolove. Très bien. Qu'est-ce que tu joues du coup? Fais évoluer ton Rhinolove. Toujours compter sur Ziggy Crane, il inspire des chansons en plus, et oui. Ziggy. Voilà, voilà. Ambrilex évolue en Infection Tyrannosif. Voilà! Parfait! C'est le GG! Ah, quelle victoire fabuleuse. Ça mérite un booster en récompense, je pense. Hein. Ça mérite un booster, là. Vas-y. 11, terminé. Non, 50. Oh, c'est joli, 50. Ça me met 1845, quand même. Hein. Bon, on n'a toujours pas vu le deck en action. S'il vous plaît. Recherche d'adversaire disponible. Il y a une modique à lancer son live, je crois. Vous avez gagné le lancer de pièces. Je commence. Je suis comme ça. Alors, est-ce qu'on a de l'énergie? Oui. Est-ce qu'on a des Pokémon? J'ai le choix entre ces deux-là. Alors, lancer une pièce, c'est pile. Cette attaque ne fait rien. Sinon, ça fait quand même 32 dégâts. Cherche un Pokémon dans votre deck. Montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite. Mais c'est violent. Cherchez un Pokémon dans votre deck. Montrez-le, puis ajoutez-le. D'accord, on va faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a l'air bien. D'accord, je prends n'importe quoi comme Pokémon et je... D'accord. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour ses adversaires, c'est ça. Terminé. Ah, c'est con, par contre, je peux pas l'utiliser autour. Hein. C'est moi qui commence à faire ça. Non, j'aurais dû aller chercher les énergies avant. Voilà, on va faire ça. J'ai déjà deux. Attends, du coup, je vais pouvoir voir mes cartes en faisant ça. Lucario, coup de pied à 70, dérouille à 40. Ok, très bien. On a ça.
Ambrilex, Z-Girl. Ah, Infect qui est là. Ok. Triolu. Ok, ok. Terminé. Du coup, ça sert à rien que je le mette là au premier tour. Je pourrais le faire au... De toute façon, je peux pas utiliser. C'est moi qui commence, je peux pas utiliser son pouvoir. Ok. Ça, ça sert à rien. Oh, je pourrais... Non, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Terminer ce tour. Crane, t'as un Pokémon pour une énergie plante. Il va chercher 3 Pokémon plantes dans le deck vers ta main. Ah, mignon. Mignon, mignon. On va faire ça. Ça, on s'en fout. Ça, trouve un ami. On va se prendre un petit Lucario. Terminé. Ok. Ok, ok. On va peut-être plus aller chercher autre chose. J'irai chercher un Z-Guard après, je pense. Je sais pas. Ouais, j'aurais peut-être plus aller chercher un Z-Guard plutôt. Oula, ça fait peur. Ça fait bien réservé. D'accord. D'accord, d'accord. Elle a l'air sympa son deck aussi, hein. Il a des trucs très violents opposés. Une seule fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur votre banc, vous pouvez changer de Pokémon avec votre Pokémon actif. Ouais. Faut que j'évite de poser trop de Pokémon. Ah, c'est 30 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon devant. Ok. Ok. Je le sens pas très très bien, je vous le dis là. Il me fait un petit peu peur. Il y a lui qui pourrait évoluer derrière. On peut faire ça. Ça. Et du coup, il va pas pouvoir attaquer au tour d'après. Mais par contre, il pourra quand même changer. On va directement faire ça. Battre en retraite, je pense. Ou alors, je fais un échange. Mais l'échange peut être intéressant à garder pour plus tard. Non, je vais faire un échange. Parce que je vais probablement remélanger ma main par la suite. Je peux même faire attends, on va juste faire ça pour le moment. Voilà ça, et on va faire une dérouillée. En plus c'est sa faiblesse, c'est parfait. Ok. Donc là il a évolué en bruit. Il décide de changer, mais il va se faire one shot. Pourquoi pas. Très bien, on va faire ça. Oui. Ok, donc il y a lui qu'on pourra faire évoluer en lui. Est-ce que je pose? Ouais, on va poser, on va faire ça. Et on va faire ça. Très bien. Pourquoi Villepierre il a attaque passée? Tu veux qu'on se défie? Non, pas spécialement, non, ça va bien. Alors pourquoi il a pris celui-là? Il va se faire défoncer. Je ne comprends pas ce que tu fais, petit Billy. C'est vrai qu'il a attaque pâté quoi. Bon, on va le... Non, on va éviter de trop poser de Pokémon devant. Hop. Vas-y. Ah, Lucario. Lucario qui se fait plaisir. La violence des animations de combat, c'est ça. Alors ça donne quoi? 100. Il faudra 2 attaques. Il veut faire un bouclier miroir. Il pose pas de... Ok, très bien. Ok. Bon, l'adversaire est suicidaire. Je vois ça. Je vois ça, je vois ça. Il est en galère d'énergie, j'ai l'impression.
Il est en galère d'énergie. Ça, on s'en fout. Allez, voilà. Vas-y, coup de pied, Magnum. Tout va bien. On peut échanger les Pokémon au besoin. Toujours pas d'énergie ? Enfin bon, je sais même pas s'il joue pour de vrai. Ah mais si, voilà ! Voilà, t'as de l'énergie ! Du coup, tu vas pouvoir en mettre là. Alors attends, c'est 3. Points de vie, il va me le one shot. Faiblesse. C'est embêtant. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse parce qu'il peut encore gagner. On va faire ça. Ça. Et maintenant, est-ce qu'on échange ou pas? Il va faire 120 dégâts, le one shot. Ouais, on va faire ça. Ah, je sais pas. Qu'il a encore de quoi faire des énergies. Il va faire des attaques à 120 en boucle. Ce qui va être embêtant. Super. 60. Donc là, il va mettre là, celle-là. Faudrait une énergie pour que je fasse un coup à 30. Ouais, c'est ça, il faut absolument... Là, il va me le tuer, il me faut absolument une énergie au tour d'après. Voilà, là, il me le one-shot. Ok. Et le truc, c'est que si j'ai pas d'énergie... C'est mort, donc on va faire ça. Alors il lui reste combien? 5. On va faire ça, tant pis. Je pourrais pas attaquer. Ouais, j'ai bien fait, j'ai pas eu d'énergie. On va faire ça. On va faire trouver un ami. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution de ça. On a un Zygarde, mais j'aurai jamais assez d'énergie. Ça c'est toujours bien, mais ça va pas m'aider. Un Lucario qui fait 30, il faut que je fasse 30 soins de plus. Majestic, c'est pas pour tout de suite. Il n'y a pas l'évolution de... S'il y a ça. Eh ben je sais pas. Non, on va faire ça. Terminé. Ok, là il va me le one shot. Il faut absolument une énergie. Mais oui, mais il en a pioché plusieurs des énergies. Hein. Mais s'il peut attaquer en boucle, il suffit qu'il en remette. Il va attaquer en boucle. Il en a pioché 4 des énergies tout à l'heure. Donc il a des énergies dans sa main. Donc il peut piocher une... Voilà, il peut poser une énergie et réattaquer. Pas le choix. T'es sérieux. Ça sert à rien de le faire évoluer. J'ai pas d'énergie. Si jamais on pioche son évolution. Ça fait quoi? Ouais. Et bah, on verra.
4 en plus. Il doit encore m'en tuer 2. Il a encore de l'énergie, donc ouais, il peut faire des attaques à 120 en boucle. Hein, c'est moche. Il faut absolument que j'ai une énergie pour lui et qu'on le paralyse. Putain, c'est con, on est à juste une énergie de piocher, hein, mais on est bon. Alors 3, il peut m'en tuer encore 2. Ça, le Zygarde, ça va le one shot aussi. Il a 70, il lui reste... Non, ouais, je pourrais y faire. Tant pis. Ah, c'est con. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc il est à 2. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc on va prier pour piocher une énergie, sinon on est mort. Sinon on est mort. Ouf. Et là, on va prier pour faire un face. Si on fait face, on a encore une chance. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais... Allez, face. Yes. Salut, yes. Si ce heal, par contre, on est foutu. Enfin, c'est dingue, hein, comment juste un Pokémon, parce qu'on a mené quasiment toute la game, avec une carte, il nous a défoncé. On est mort. C'est bon, on peut abandonner. Une carte.